poteau, c'est julien.com. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo chill, je vais vous présenter mon studio de tournage. Ça y est, j'ai enfin quasiment fini mon studio de tournage. Alors c'est pas non plus un studio professionnel, calmons-nous, mais c'est quand même une pièce dans une maison dédiée à ça, et je trouve ça quand même plutôt cool. Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai toute ma déco que je détaillerai tout à l'heure quand on aura rangé, parce que oui les amis, on va faire un grand coup de propre dans le studio et on va faire des aménagements ensemble, on va finir d'aménager le studio. Et là surtout j'ai mon bureau où je fais toutes mes vidéos, mes montages. Donc c'est quand même un bureau assez grand qui vient de chez Ikea, il est plutôt cool, j'ai de quoi mettre mes deux écrans, mais je suis embêté parce que ça c'est mon écran principal qui est de bonne qualité, qui est plutôt cool pour faire les montages, mais c'est bien d'avoir deux écrans quand tu fais du montage. Et j'ai celui-là, mais celui-là normalement je le mets hop à la verticale, et là je peux pas parce qu'il rentre pas dans la hauteur. Donc ça c'est la misère. Et puis le fait aussi que je passe des heures et des heures à cet endroit là pour faire des montages vidéo, et j'en ai marre d'être assis, ça me flingue le dos. Donc j'ai une solution pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce bureau et on va installer un tout nouveau bureau qui est juste ici en kit pour l'instant et qui vient de chez un sponsor qui est FlexiSpot. Et je vous avoue les amis que là pour le coup j'ai accepté le sponsoring avec grand plaisir parce que je suis vraiment en galère avec mon bureau. Donc j'ai commandé un bureau avec des pieds motorisés, donc ça va me permettre de bosser debout. Et j'ai commandé un plateau qui est raccord avec la déco que j'ai derrière. Donc la première étape les amis, c'est le démontage du bureau, c'est le nettoyage de tout ça. On va cleaner un petit peu tout ça pour se faire de la place. On va monter le bureau, on va faire un beau cable management pour avoir un truc propre. On va se monter les écrans, ça va être super sympa et je vous montre après le résultat à la sortie. Allez, c'est parti pour un petit accéléré. Et voilà, c'est encore un peu plus le bordel que tout à l'heure, mais au moins il n'y a plus de bureau. Dans le coup, on va attaquer le montage du nouveau bureau FlexiPot E7. Je sais pas le temps que ça va prendre. Le carnet quand même de montage, la notice a l'air quand même assez grosse et il y a quand même pas mal de colis. Je pense qu'on est parti quand même pour un bon bout de temps, mais le résultat à mon avis va être au rendez-vous. Et voici ce petit bureau monté. Pour le coup, ouais, il fait vraiment petit par rapport à l'autre, mais pourtant c'est la même taille, c'est ça qui est ouf. Là où je suis dégoûté, c'est que au niveau du support de la tour, eh ben, il n'est pas assez large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, je pense que je vais dévisser et je vais juste écarter de 1 cm en refaisant des trous. J'aurais dû mesurer, en fait, tout simplement avant de commander, donc c'est de ma faute. C'était réglable, mais bon, pour moi, je me suis dit c'est réglable, ça va fitter sur tout, mais ma tour est quand même très très grosse parce que c'est quand même un monstre, donc tant pis pour moi. Sinon au niveau du montage, bah voilà, ça a pris une petite heure en prenant son temps. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement solide, ça rigole pas du tout en termes de qualité. Je suis vraiment impressionné et pour le coup je suis très content. Je l'ai pas encore démarré, on va voir ce que ça dit. Ah oui, c'est ultra vif. Ah oui. Ah ouais, ça c'est méga méga cool. Je peux descendre ça comme ça. Ah ouais, tu peux travailler de ouf. Trop bien, trop bien. Ah franchement, là c'est un très très bon combo, j'adore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se monter. Où est-il? Il y a tellement de bordel là. J'ai hâte qu'on range parce que là c'est un carnage. On va se monter ce petit support, FlexiMount cette fois-ci, modèle FD6. Donc double écran. Allez, c'est parti, on monte ça. Et
Et voilà les amis, ça y est, le studio est terminé. J'ai enfin tout rangé. Ça m'a pris quand même une sacrée soirée à faire tout ça. Mais maintenant, je vais pouvoir vous présenter le tout terminé à sa place, assemblé, équipé. Et ça, c'est génial. Ça fait quand même du bien d'avoir ça proprement rangé. Tout est à sa place. Il n'y a plus rien qui traîne. Et là, je me suis mis en configuration tournage. Donc comme ça, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ce que je fais, c'est que je me mets une petite caméra ici qui filme tout simplement l'endroit où je dois parler, qui est ici. J'ai deux éclairages de chez Neuer ici et là-bas. Donc ça me permet d'éclairer un petit peu en arrière-plan. J'ai une ring light qui est ici pour m'éclairer le visage. Après, j'ai pas mal de lumière de déco. Normalement, moi, j'éteins cette lumière-là pour tourner. Mais là, je la laisse un petit peu allumée pour qu'on puisse voir quelque chose. J'ai mon micro vraiment studio, qui est vraiment un micro costaud, un Shure MV7, qui est branché directement à mon ordinateur. Je vais vous présenter ça juste après. J'ai une petite lumière d'ambiance ici. Donc, ça me permet d'avoir en fond teinte bleutée qui colle avec ce magnifique Nürburgring de chez Petrol Vibe. Donc c'est un truc de malade, tout en découpe laser, en acier, avec un néon, on peut changer de couleur. Donc ça, c'est vraiment ultra cool, j'adore ce truc. Typiquement, on met rouge, boum, ça met rouge, normal, violet, blanc, c'est magnifique en blanc aussi, jaune. On peut vraiment mettre pas mal de couleurs différentes et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. C'est une très, très belle pièce. Et ça, je suis très content de l'avoir. Puis après, j'ai deux, trois petits trucs sympas aussi, des petits néons on-air ici pour dire que c'est en train de filmer. Et puis après, on a un petit peu de déco partout. Une petite bouteille de protoxyde d'azote ici. Un de mes casques de moto ici. Casque de pilotage ici. Je me suis rassemblé aussi toute la partie DVD et jeux vidéo. Ici, on retrouve un morceau de biel de mon moteur Duratec de la nouvelle Elise. En trophée. Là, je me suis mis un petit livre de Chris Harris parce que j'adore ce gars-là. Et puis là, un énorme ensemble piston biel d'un groupe froid à l'ammoniaque, ONH3. Donc c'est vraiment une énorme pièce, extrêmement lourde, et je suis très content de l'avoir. Donc voilà un petit peu pour le studio et pour le fond de ma présentation quand je fais des vidéos face cam comme ça. Vous savez ce qu'il y a derrière, parce qu'on voit pas tout. Et là, dans le coup, j'ai mon nouveau setup, mon nouveau bureau, FlexiSpot E7. Mon petit écran vertical quand je fais du montage. Et puis là, il y a mon PC. Et puis là, typiquement, si on se met en mode 2. Hop. On a la station de travail qui monte. Ça, je trouve ça, les gars, absolument incroyable. Et voilà, là, je peux bosser à hauteur. Et quand je veux rebaisser, je me suis pré-réglé mode 1. Ça descend. C'est vraiment un must-have et c'est vraiment un truc super cool. Je suis très très content d'avoir un bureau comme ça. Ça me change vraiment la vie, les amis. Donc voilà, vous avez là mon setup. J'espère que ce petit tour de mon studio vous aura plu. Maintenant, vous avez vu un petit peu les coulisses de mes vidéos face cam. Alors pour l'instant, il n'y en a pas eu trop de diffusées encore. C'est vraiment un concept assez nouveau sur ma chaîne. Néanmoins, on a pas mal de projets, que ce soit avec mon frère Tom.com, avec des invités, aussi des sujets talk divers, actualités, montres, reviews particulières. En tout cas, cet espace-là me permet de créer pas mal de choses sans forcément avoir à me déplacer. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, naturellement à la repartager. Je vous invite aussi à aller sur le site de FlexiSpot. Ils ont du matos super intéressant, des chaises de bureau, des bureaux comme celui-ci. Et vraiment, c'est une très très belle découverte. Et les amis, je peux vous dire qu'un bureau qui monte et qui descend tout seul, c'est vraiment oufissime. Je vous dis à la prochaine. Ciao.